here at Ankara Festival 2016. A fantastic event brought to you by The Curious Show here with us. Watch The Curious Show. It's the best show ever. Best information. The Curious Show is the show that you have to watch in order to see what's going on. Oh, you gotta check out The Curious Show. He brings life to America. He's number one. I love his show. I look at it all the time. Love you, baby. The Curious Show. I big up The Curious Show. See? Big up everyone. All the viewers. One love. God bless him continually. Rastafari. God bless. Be here with The Curious Show. A little Ethiopia in the New Year's on Fairfax. I'm doing The Curious Show. Curious Show, The Curious Show, pour ta promotion. The Curious Show, The Curious Show, pour ton marketing. Tito Mongali Mongolé, je te dis merci de m'avoir invité. Comme dynamo celu ah eh comme dynamo celu songa sima akari aza ya zambe ah eh comme dynamo celu sofana ngo okay I like that I want to Ladies and gentlemen, regardez-moi encore, je suis très content d'être par mes frères congolais ici, les Africains de l'Éthiopie et de l'Érythrée. Nous sommes là, nous sommes très contents, mais je sais que ce ne sont pas des gens à présenter dans la communauté. Nous avons le président de la communauté congolaise de Centre-Californie. Nous avons Joseph Mungu, président de la fondation Tiesi, supporteur. Les infidèles qui combat les infections dans la République démocratique du Congo et M. Yves Follet qui est directeur de Manigra ici présent. Juste une petite conversation pour savoir qui vaut la présence de tout un chacun en ces mots. Nous sommes honorés de vous avoir ici. Une raison pour vous. Pour votre présence en ce lieu. Nous avons répondu à une invitation et on voulait un peu voir comment ça se passe chez les autres. Hein. C'est en fait chez nous aussi par extension. Et c'est quand même quelque chose qui se passe dans notre ville. On est aussi un peu curieux pour voir comment ils commémorent. Mais nous voulons aussi venir assister notre frère ici, Joseph Mungu, pour son association, voir un peu donc, comment il la défend, comment il la présente. C'est quand même dommage que nous vivons avec des gens ici qui ont des bonnes idées comme ça et qui ne savent vraiment pas comment partager ces idées ou bien qui essaient de partager ces idées. Mais personne ne semble vraiment comprendre ce qu'ils essayent de faire. Dans tous les cas, moi j'inviterai donc tout le monde de faire une petite recherche. Je suis sûr qu'il pourra présenter encore une fois son association, de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'il fait au juste. Moi je suis en tout cas très intéressé et mon plus grand souci c'est de savoir à quel point je pourrais aider. Et j'espère que quand les gens qui s'intéresseront à savoir ce qu'il fait,
Donc, ils se poseront aussi cette question et essayeront aussi de participer d'une façon ou d'une autre. En fait, c'est aussi une façon donc de reconnaître d'où on vient. En fait, je ne vais pas dire plus que l'intéressé lui-même. Donc, je le remercie seulement et pour ce qu'il essaye d'entreprendre. C'est une très bonne idée et j'espère qu'il y aura plus d'une personne qui essaiera de suivre l'exemple. Ok, ça c'est une très bonne chose. Tu reçois déjà le support de nombreux membres de la communauté congolaise et pourquoi pas nous autres. Je suis content parce que je connais aussi la fondation Abin Doing Something. Quelque chose avec M. José Mbungu ici présent. Je pense qu'il est mieux placé pour nous donner la raison d'être, sa raison d'être ici dans cet grand festival éthiopien. José Mbungu. Bon, merci. Bon, le nom a été déjà dit. Je m'appelle Joseph Ntsisi. C'est chaque année que je suis ici. Souvent, c'est, comment on appelle ça? C'est le New Year pour les Éthiopiens. Alors, je viens ici seulement pour créer des relations avec d'autres Africains, quoi. Pas seulement les Congolais, mais d'autres membres africains, vraiment c'est très important. Je suis connu dans ce milieu, j'habite non loin d'ici, mais j'ai des amis, j'ai vraiment des gens qui me supportent. Alors, c'est ici que je viens, je partage tout ce que je fais au Congo, alors j'ai des gens qui me soutiennent. En parlant des partages, donc j'ai aussi lu votre livre. C'est quoi encore le titre de votre livre? Le Compassion Faith, A Man's Journey to America. Et à part ça, vous avez aussi une fondation et j'ai vu des stands ici. Vous avez aussi un stand ici? Oui, c'est l'ONG. Le siège, c'est ici, mais les membres sont au Congo. C'est là où les gens vraiment fait le travail pour protéger les gens contre les infections, tout ça. Mm-hmm. Moi-même, je suis du domaine, donc je suis là, je contrôle tout ce qui se passe au Congo, donc c'est ça. Pour le moment, le travail s'est fait vraiment très bien, mais nous sommes là, nous voulons des supports, donc c'est ça, pour bien faire le travail. Merci beaucoup, Monsieur José Mbungu Ntsisi. Et là, nous avons Manigram, Hugues et Follet. Des grands événements comme ça, nous avons toujours retrouvé. Si on ne voit pas Manigram écrit quelque part, on voit Hugues et Follet quelque part. Hugues et Follet. Non, merci d'abord de nous avoir donné cette opportunité d'avoir une conversation avec The Curious Show. Merci à toi parce que tu es toujours là. C'est important et pour Manigram, j'aime plutôt parler du sens africain. Je suis d'abord africain, je suis du Congo, je suis fils de l'Afrique et je trouve que c'est important qu'une compagnie qui reçoit beaucoup des Africains donne aussi, investisse aussi beaucoup dans la communauté africaine. Pour moi, ça a été un des principes fondamentaux qui ont fait que je joigne même la compagnie Manigram il y a 10 ans. Des fois, on sera petit, on se fait petit parce qu'on pense que bon, c'est une grande compagnie. Olele Amakambo Afrique, Nengenin. Mais tu n'es pas là parce que Moutoumou Asalagi au faveur. Nous sommes là parce que Nzamba Pesabisouba compétence, en tant qu'Africain d'abord, et en tant que Bana Congo, pour brandir très haut le flambeau africain. Tu vois, pour moi, c'est ça. Oui, c'est vrai, je contrôle un peu les autres régions aussi, les régions zones. Donc, c'est pas juste l'Afrique, mon portefeuille, mais l'Afrique est un continent hyper important. Les événements comme celui-ci, la célébration de l'année éthiopienne, du calendrier éthiopien, pour nous, Africains, a une importance capitale. C'est le seul pays africain qui n'a jamais été... Sans vous interrompre, quand on parle de la célébration du New Year, nouvelle année, je ne sais pas comment ils comptent, qu'est-ce qui fait que les Éthiopiens célèbrent le New Year en plein septembre, instead of comme on le fait toujours au 1er janvier. Ce que je proposerais, le peu que je sais, peut-être mes frères ici vous diront un peu plus, ma proposition serait, nous sommes Congolais, nous sommes Africains certes, mais nous sommes dans un quartier éthiopien. Cette réponse, même pour les gens qui nous suivent, je préférerais que Oyo Kango n'est pas la Bango. Tout le monde est la Bango. Parce que l'histoire que je veux dire, c'est qu'ils ont leur calendrier. Ils ne suivent pas le calendrier d'Abisso. Ils ont six messages.
Ils envoient un message. J'ai entendu dire que le pays n'a pas été colonisé. C'est le seul pays africain qui n'a pas été colonisé. À ne jamais avoir été colonisé en Afrique. C'est-à-dire, vous comprenez? Bah, ma solo, nous sommes allés que les Éthiopiens ont battu les Italiens dans la guerre. Ils ont chassé. Bah, qui sont les Italiens? Mais bref, c'est ma politique. C'est en fait, c'est des choses auxquelles il faut. Quand touche Mouké, alors nous, Africains, comme nous sommes du Congo, du Nigeria, de Mali, whatever, quand il y a une fonction comme celle-ci, c'est ici à Los Angeles. Moi, j'encourage encore Batoum Soussou, la prochaine fois, qu'on vienne encore nombreux, parce que José Colonel, le président Lobby, net, mon frère, a dit José, avec son initiative, qui essaye de changer la façon dont nous percevons les choses, aider les gens. Il y a un mot qu'on a vu, il y a le fight by infection. Ça, c'est des initiatives encouragées. Mais quand tu viens ici, c'est une force d'inspiration. Aux hommes, on va découvrir sur africains comment ils font. Alors, pour moi, je suis positif. Moi, j'ai toujours aimé être positif dans le sens où le roi Bissotoye Lelo, Tobet appelle cela, on en aimera bien. Comme ça, les autres, après l'année prochaine, que Barroso en moins de temps, c'est toujours around this time. 9-11, around. Batango, venez, on passe une après-midi ensemble. Tout à l'heure, t'as encouragé, peu Bango. Parce que tant qu'on a vu ce Péroya, tant que ce Péroya a supporté. Donc c'est juste ça. Donc Manigram est toujours là pour tout justement supporter cette communauté qui continue à utiliser notre compagnie comme véhicule pendant le temps dans la famille. Hier encore, des curieux, le caméra des curieux est tombé sur vous. Mm-hmm. C'était Ankara Festival. Ouais. C'était Ankara, c'est quoi? Good evening, my name is Hugh Foley. I am the regional director for Manigram International. It is a fantastic opportunity for our company to be partnering with such wonderful and class act folks as Latini and Group. So give it up to you guys one more time. Hier, Ankara Festival, c'était plus dans le cadre. Ankara, c'est une initiative qui est mise en place par le groupe de Nigérians, jeunes Nigérians qui habitent ici à Los Angeles. Et c'est une plateforme qui a été offerte à de nombreux talentueux designers, hein, donc batailleurs, vanini, pour montrer tout justement ce qu'ils peuvent faire dans l'industrie, l'habillement, la culture et tout ça. Hein. Donc c'était ça, le festival c'était ça pour promouvoir justement la culture africaine à travers Babilo Ronet Bilamba, Bamayaka, Banini, des choses comme ça. Donc, again, tout ce qu'il y aura à voir avec la promulgation, bien éveil à conscience et à culture africaine, soyez-en sûrs, moi personnellement, mes frères aussi, et Manigram pour moi, nous serons toujours là, parce que c'est hyper important. Merci beaucoup, M. Hugues Follet, José Mbungu, ainsi que le président Martin Loutouble. Juste un mot pour terminer. Si vous devez dire quelque chose en regardant la caméra concernant les Curieux Show. Bon, moi j'ai été plusieurs fois invité dans le show, donc si je dois dire quelque chose, ça serait vraiment rien de nouveau. Seulement te féliciter quand même pour tous les divers sujets que tu abordes, et aussi ton courage. Bon, merci quand même d'être aussi cette personne qui donne aussi une image de la communauté congolaise ici à Los Angeles. Et j'espère que tu feras encore de plus grands projets et surtout que tous tes projets vont se réaliser. Surtout ceux dont on a parlé. Donc, je ne divulguerai pas ici. Merci beaucoup. J'allais même vous bloquer la bouche là. Ça, ce sont des secret projects. Ouais. Manigram is not supposed to know that now. Ok, José Mbungu, un mot sur le Curieux Show. Ah bon, moi, je félicite le Curieux Show. Donc, à travers le Curieux Show, comme, nos messages quand même passent. C'est grâce à Tito Londolé, le fondateur de Curieux Show. Donc, je te remercie. Quoi. Merci beaucoup, monsieur Hugues Follet, un mot pour le Curieux Show. Juste pour compléter, je vais vous le Curieux Show est un show où ils ont des bisous. Je vais vous le faire. Ils ont des bisous. Ils ont des bisous. Ils ont des bisous. Ils ont des bisous. Ils ont des. Et alors, pour toi, nous t'encourageons. Nous sommes toujours là pour t'encourager. Alors, j'encourage aussi les autres. Soit tu as une initiative, nous sommes ailleurs. Oh, que curieux soit habité. Tito est ici. Bon, Nicolas Azana est moins cher.
Azana mon cher Mikolo, non, succès venait matin, il faut m'adapter. Alors bon, profitez dans mon cigare. S'il y a, une activité qui se passe quelque part, là où vous pensez que il n'y a pas de bénéficier d'ango, parce que ça donnant. Il y a sera bénéficier d'ango, il n'y a pas bénéficier d'ango. Donc, qu'on essaye de, d'aider ce monsieur à vraiment à Kenelikolo. Donc, c'est vraiment ça. Merci encore. Le Curieux Show est tout. Ok, merci beaucoup. J'étais honoré de m'asseoir sur la même table avec M. Martin Lutumbwe, Joseph Ntiesimbungu et Hugues Efole Boketchou. Ce n'était pas facile. Là, j'ai menti. C'était facile parce que je passais là, je les ai vus manger. C'est la bouffe qui m'a emmené ici, mais j'ai profité avec ma caméra pour faire le petit show. Je vous aime bien et je vous dis bye. And we are also extremely proud to be collaborating with The Curious Show, who is bringing you this program right now. Appreciate The Curious Show for hooking us up, showing us some love. You guys keep doing what you're doing. I'm proud of y'all. Thank you. The Curious Show has been so amazing. I can't wait to come back next year. And I just hope that I can come as a guest and not as a worker. The Curious Show. Okay. Where you can get all the information for quality stuff. I guess you guys should check it out. Curious. So hey, if you're gonna get my stuff at Ojan Clothing, watch The Curious Show. Based right here in Los Angeles, California. Thank you. Stay tuned and watch The Curious Show. Hello. I just want to give a shout out to The Curious Show. You know, my boy is doing his thing, you know. Much love, man. I look forward to watching your series, man. I'm enjoying it. Take care, y'all. God bless.